relis partenariat. Donc c'est un petit partenariat qui va changer du partenariat de d'habitude. Vous allez voir ce que c'est. Mais ça vient du site bbcraft.com. Donc je vous aurai tous les liens en barre d'infos. Ça s'écrit bbecraft.com. Voilà. Et je leur avais envoyé un mail parce que Rachel m'avait dit tente ta chance, essaye d'envoyer un mail. En principe, ils font des partenariats. Donc merci Rachel, parce qu'en effet, ils font des partenariats. Et j'ai le droit de choisir. C'était 40$ avec les frais d'expédition. Donc j'ai pu trouver quelques petits produits. Donc aujourd'hui, je déballe, je vous présente les produits. Et dans une prochaine vidéo, je vous fais un tuto, puisque c'est ce qui est demandé pour le partenariat. Donc je vous ferai un tuto avec les produits que j'ai trouvés. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est pas du diamond painting. C'est d'autres produits. Donc voilà mon petit paquet. Mais j'espère que ma vidéo vous plaira. Il y a eu quelques semaines où il n'y a pas eu de vidéo. Je suis désolée. Parce que j'avais plus envie. J'ai eu un petit passage à vide, surtout sur le diamond painting. Et du coup, c'est compliqué de faire des vidéos. Oh. Vous ne faites pas de diamond painting. Je vais essayer de me remotiver prochainement. Et puis je pense que ce qui m'a démotivée aussi, c'est que j'attendais deux partenariats de diamond painting. On m'a demandé de choisir des produits et au final, j'ai rien eu. Donc je sais pas. J'ai contacté une autre personne qui avait été contactée aussi en même temps que moi pour savoir si elle avait reçu quelque chose. Mais bon, voilà. Je sais pas du tout. Je vais mettre tout sur la table. Et je vais vous présenter ce qu'il y a. Alors là, j'ai une petite liste des produits. Il n'y a pas les prix par contre. C'est dommage. J'essaierai de vous lister les prix en barre d'infos. Parce que là, j'ai pas les prix. Et si je retourne chercher sur leur site, ça va être un peu compliqué. Donc, dans un premier temps, j'ai des carnets. Donc, je vais ouvrir. J'ai pris ça pour les garçons. Je crois que Pitpoil, il y a trois carnets en plus. Alors comme ça, chacun de leur. Parce que la petite, elle est trop petite. Hein. Donc là, on a trois bâtons. Comme ça, avec des pointes. Et c'est... Alors, je vais en ouvrir. Tiens. Ah, maintenant, j'en ai quatre même. Il y en aura. Voilà, même Mylène, elle pourra... Ah, mais non, il y en a plus. Un, deux. Trois, quatre. On en a cinq. Limite, j'aurais pu en mettre deux pour chaque garçon. Voilà. Donc je vais en ouvrir un pour vous montrer. C'est des petits carnets où vous avez, il me semble, des pages noires. Et on voit bien, hein. Et on gratte. Donc si j'en garderai un pour moi. Comme ça, je vous ferai un petit tuto aussi dessus. Voilà, c'est une feuille toute noire et vous prenez un crayon. Celui-là, je vais le garder pour moi. Donc comme ça, je vais vous marquer, je vais marquer quelque chose. Voilà, et voilà ce que ça donne. En fait, quand vous faites votre dessin, vous avez des couleurs qui apparaissent derrière. Donc voilà, j'ai mis merci à tous. J'aurais pu mettre merci Babycraft. Alors, il faut que je leur envoie après les liens des vidéos, mais je suis pas sûre qu'ils comprennent, hein, vu que moi, je parle en français, et eux, je pense que c'est pas français. Je vais prendre une lingette à ma fille, elle a goutte au nez, je suis désolée. M'essuie-les. C'est pas agréable. Voilà. Alors, après, j'ai pris un set de construction comme ça. De construction. Pour faire des comment mince. Ah, des porte-clés. Des porte-clés. Alors, je sais pas s'il y a les modèles. Donc là, on a des anneaux à porte-clés. Et ils sont géniaux. Deux bleus, deux violets, un vert. Franchement, ils ont l'air d'être top qualité. Alors ça, c'est un kit entier. Là, vous avez du fil blanc et du fil noir. Je pense que c'est du fil élastique, ça a l'air. Ah non, 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 c'est du fil normal. Et là, vous avez les perles de différentes couleurs. Et là, vous avez des perles un peu essence.
noir, rosé, blanc, vert et jaune, bleu et orange et vert et rouge. Alors par contre, il y en a certaines qui sont pas bien taillées, hein, on voit. Il y a intérêt de faire attention quand on va faire les porte-clés. Là, il y a plus grosse que là. Et donc tous les mousquetons pour accrocher. Et c'est pour faire des porte-clés crocodiles et tout ça. Ah, oh, je suis désolée pour mon téléphone. Alors, je vais le mettre sur vibreur. Comme d'habitude, j'ai oublié. Donc voilà, là, vous avez les différents modèles à faire, que vous pouvez faire. Et par contre, ils mettent que l'explication pour le crocodile. Donc ça, c'est un petit peu bête parce que... Bon, de toute façon, c'est une activité que je vais faire avec les loulous. Et il faudra que... Bah, que je regarde bien ou si je regarde sur internet si j'arrive à trouver. Donc ça, c'est une activité que je ferai avec les loulous. Je vous en ferai peut-être un en vidéo. Ouais, je pense que je vous en ferai un en vidéo quand même. Pour une fois de chaque, je vais faire un truc de chaque en vidéo. Comme ça, ça fera plus de vidéos. Ou regrouper plusieurs tutos dans une petite vidéo. Et puis comme ça, ça sera bien pour l'entreprise, je pense. Et là, j'ai commandé des bobines de fil. Pour pouvoir faire des bracelets, donc du blanc, rose pâle, noir, vert, rosé un peu violet, noir ou bleu marine peut-être, bleu marine, celle-là, jaune, bleu turquoise, rose, vert foncé, bleu foncé, rouge, là il me semble que ça a l'air d'être un noir ou un violet peut-être foncé, noir peut-être, orange et gris. Voilà, donc ça, hop. C'est pareil, c'est de la petite cordelette comme pour faire les... Comme pour les perles là, c'est exactement la même cordelette. Là, j'ai un petit sachet avec des fers noirs. Alors, hop. C'est bien, c'est mis dans une petite boîte et tout, c'est génial. Franchement, c'est bien organisé. Puis les petits sachets zip, chez moi, ça resserre toujours, donc c'est cool. Donc alors, comment qu'on vire le papier? Je suis en train d'essayer de virer le papier. J'ai pas envie de le déchirer, je voulais juste le faire coulisser, ça marche pas. Ah si, voilà. Hop. Bon. Je l'aurais déchiré, j'aurais gagné du temps. Ah. Voilà. C'est des petits fermoirs comme ça. Pour justement les bracelets. D'ailleurs les perles je croyais qu'elles étaient plus grosses que ça. Vous allez voir après. Donc c'est des petits fermoirs comme ça. Alors c'est pas ce que je pensais. Je pensais juste que c'était des fermoirs qui se roulaient. Donc qui se vissaient. Ah non, c'est des fermoirs aimantés. Donc ouais, ça a l'air d'être bien aimanté quand même. Et là, moi je vais enlever le mousqueton et je vais accrocher les bracelets de chaque côté. Petits mousquetons, ils serviront pour autre chose. Donc du coup, ça m'embête parce que je ne saurais pas vous dire les prix. À moins que je retourne sur le site. Si je retourne sur le site, est-ce que ma commande elle est dans mon panier encore? Parce qu'en fait, je vous explique. Vous allez sur le site et vous mettez dans le panier et c'est eux qui passent la commande. Donc, est-ce que dans mon panier... Non, ils m'ont tout enlevé de mon panier. Ils m'ont tout enlevé de mon panier, du coup. Donc, bah, chercherai. Je vous mettrai les liens avec les prix en barre d'infos parce que je vais... Sinon, ça va prendre trop de temps de chercher. Et du coup, le dernier article, c'est... Des perles. Alors, je sais que ça a été la grande mode il y a un an ou deux, je crois. C'est des petites perles, toutes fines, toutes plates, en plastique. Et en fait, vous en mettez plusieurs l'une à côté de l'autre. Et puis voilà, ça fait des jolis bracelets. Donc là, on a un gris foncé, un rose, un noir, un bleu, un bordeaux. Bordeaux, vert anis, violet. Bleu turquoise, rose très pâle, jaune. C'est du rose très pâle ou c'est du blanc? C'est peut-être du blanc. Non. Du gris un peu plus clair, du rouge, du bleu un peu foncé, du rose et du violet. Voilà.
Voilà. Ça, c'était 11 euros, je crois. Un truc comme ça. Puis en plus, ça serait pas facile de vous donner des prix parce qu'il y avait des prix qui n'étaient pas en français. C'était 11 dollars, je crois. Enfin, 11 euros d'ailleurs. Je sais pas. Alors. En tout cas, c'est joli. C'est bien compartimenté. Une fois qu'il n'y a plus de perles, je pourrais me servir pour mettre certains dépés que j'ai à faire, des petits dépés ou les autocollants. Limite, je pourrais mettre dedans et mettre au-dessus le numéro. Alors déjà, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Aïon, je vais aïon. C'est pas un enfant qui peut s'en servir. Hein. Mais il peut pas l'ouvrir si c'est un enfant. Ah oui, en plus, il... c'est des petits bouts de plastique. Des tout petites rondelles de plastique comme ça. C'est microscopique. Voilà. Franchement, les couleurs, elles sont top. Donc, je vais vous faire des tutos dessus. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et j'espère revenir rapidement dans les vidéos. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je remercie Bibicraft pour leur partenariat. J'espère que la vidéo leur aura plu à eux aussi. Gros bisous à tous et à bientôt. Et encore bisous à Rachel et merci pour ton partenariat. Bisous.